Bon, va bien, mais comme j'ai été voir le film, ça n'a rien filmé, on va recommencer à une certaine partie. Donc, c'est mort, on met l'écartement des vis patinées au maximum. Là, on vérifie qu'il est entre 30 et 40. On prend la cale de 30. Je passe à l'aise. On passe à la cale de 40. Non. Bon, ça c'est bon, ça passe pas. On fait pareil de l'autre côté. On écarte au maximum. Et on vérifie le... Est-ce qu'on va le voir là, voyons. Ouais. On vérifie l'écartement. Alors on prend 30. Et on vérifie si ça passe. Oh putain, 30 il passe. À l'aise. À mon avis, 40 va passer aussi. Ouais. 40 passe. Donc, on va régler les vis patinées. Alors, on défait cette vis. Alors, ça allait pas et elle marchait super bien. Ah ouais. Merde. Donc là, on écarte un peu, après avoir tout relâché. Hein, j'ai relâché tout complètement. J'ai resserré un peu la vis. On va prendre encore le 30. Merde. Elle passe à l'aise. Hein. 40 passe pas. Première revue, hein. On le bloque, pas comme un âne. D'origine, c'est les vis cruciformes. Je revérifie. 30. Passe. 40. Ne passe pas, mes vis sont fatiguées. 40 ne passe pas. Alors c'est bon, elles sont réglées. Et bien là je vais vérifier l'avance. Je branche ma lampe témoin. Elle est faite avec une vieille lampe de plafonnier de bagnole. Je mets au plus, je mets le moins, n'importe où de préférence. Je mets le contact. Ah. C'est passé quelque chose. Hein. Un problème. Voilà. Attention, quand ça s'allume, je vérifie un point d'avance là. Voilà, un point d'avance est passé là. Là je suis au repère et devrait s'allumer. Donc je vais défaire mes vis, pas les vis patinées, hein. Mes vis qui tiennent le plateau, le demi-plateau. On va essayer de faire assez vite à cause du film. Et on va aller en sens contraire de rotation pour s'approcher du... Merde. Ah, pas dans le bon sens. Là. Ouais. Alors on va vérifier comme ça. Quand ça s'allume, on regarde pas le repère, on regarde que la lampe. Là. Très sensible, quand ça s'allume pile, tac, là on regarde. Là on est au repère un poil de cul passé. Un poil de cul passé. Donc on va encore vers le sens.
Là, allez, c'est bon, je l'accepte. Acheter comme ça, là je l'achète. Là il est en repère, on est bon. Je serre, toujours pas comme une mule. Vous m'avez tombé un pan. Un animal qui ratatouille que de baiser de vis. Pardon, de foire. On vérifie, alors on met un peu en arrière, on revient en avant. Quand ça s'allume, on doit être en repère. Là. Allez, c'est bon, oui. J'achète comme ça. On va vérifier. Qu'est-ce qu'il a mon truc qui ferme, je comprends. Voilà, il y a à peine un peu de calage à peine. On va pas bien avec le film, mais on est au repère. Suivant comment se met. Voilà. Ok. Donc ma lampe là, le contact. On va bien. Ou non. D'accord. Là, on a vérifié un côté, on va vérifier l'autre. On a vérifié tout à l'heure les vis patinées à celui-là. Et là, on va vérifier l'avance. Voilà, donc la lampe. Là, la lampe s'allume. Il est à peine un peu à l'avant. Alors on va essayer de le mettre pareil, puisque l'autre il est à peine un poil après. Alors on va défaire là. De toute façon on risque juste de se la mettre en panne. Mais bon, si elle est en panne, ça ne sera pas à cause de ça. Alors un peu après, c'est-à-dire on va dans le sens de rotation du moteur. Voilà, un poil de cul. Ça devrait suffire. On va en arrière. Si elle veut. Ah, elle veut plus s'éteindre, ça putain. Ça, ça le fait, ça. Après, elle veut pas s'éteindre, on coupe tout. On attend. On fait aller le moteur. Voilà. On remet le contact. Quand elle s'allume, on est au repère. Hop. Et là, on est trop loin. Donc, je vais pas utiliser la bonne sens. Je me repère. Je recommence. Ça allume trop tôt. Donc. Merde, je sais plus. Alors, je vérifie. En arrière. Et en avant. Quand elle s'allume, alors. Quand elle s'allume, hein, c'est ça quoi. Voilà. Quand elle s'allume, hein, on regarde le repère. Hop, là il est bon. Alors, des fois on dit comme ça, c'est un coup de peau. Eh bien non, c'est pas un coup de peau. On va le faire 20 fois pour que ça marche. C'est tout. Alors, c'est pas un coup de peau. Allez, hop. Voilà. Alors, on vérifie. Alors, on coupe le contact. Arrière. Bon, je suis tombé en panne de la batterie de la caméra. On espère que le reste a été filmé. On va revérifier donc la valse. Je ne sais pas où elle est dessus. Contact c'est mieux. Allez. Quand elle s'allume, on doit être au repère. Voilà. Et on est au repère. Ok. Un chouï après. Suivant comment on le regarde. Ok. Là, elle est bonne, elle est moins bonne. Ok. Bon, là je vais aller voir si ça a filmé. Parce que... Bon, après avoir vérifié que la caméra avait tout
filmé. On revérifie. Ah. Voilà, ça mériterait d'être réglé à peine un poil de cul. Mais je laisse comme ça. Ok. Et si elle déconne, je serai où ça vient. Et là, on va essayer de démarrer. Ça, le film ça fume tout à l'heure, on le resserre un peu. Et oui, on le serre à la main. Le contact. Merde. Là, on va régler, mais elle marche quand même. Toujours aussi bien. Toujours prête à tout bouffer. Bon, allez, voilà. Je pense que vous avez déjà vu le moto tourner. Alors, voilà. On arrête tout. Ça marche bien. Hop. On va transférer tout ça et on fera ensuite le réglage de carburateur. Allez.